Je vais vous montrer comment on peut changer d'image sur les scanimaniclettes. Alors, il faut d'abord enlever le transparent, ici défaire la punaise, extraire l'image, mettre une nouvelle image, remettre la punaise et remettre le transparent. Et le tour est joué. Voilà, ainsi on dispose à peu près d'une dizaine d'images pour l'instant. Merci.